Attaqué indirectement, Pascal Pro a eu besoin de mettre les choses au clair. D'abord, voici le contexte. Invité sur Radio, une station de radio communautaire juive, ce dimanche 14 novembre, l'ancien président de la République, François Hollande, a tenu à exprimer ce qu'il pensait du traitement médiatique donné à Éric Zemmour. Voici ses déclarations, il y a un mouvement de banalisation des propos d'extrême droite. Et je crois qu'il y a une responsabilité du système médiatique. On ne peut pas considérer qu'un chroniqueur qui tient des propos indécents puisse être regardé comme n'étant pas dans la vie politique. D'autant qu'on sait maintenant qu'il va être candidat à l'élection présidentielle. Et qu'il pourrait même atteindre le deuxième tour selon certains sondages. Après avoir diffusé la séquence lors de son émission L'Heure des Pros, le présentateur Pascal Pro a tenu à lui répondre, et on ne le voit pas sur cette vidéo mais il a même été plus loin en mettant en cause KNU. Il a dit que KNU est la chaîne de Monsieur Zemmour. Si est-il incroyable de dire ça, qu'un président de la République s'abaisse à dire des choses pareilles. Il dit que tout est organisé par rapport à lui. Alors que ce matin on a quand même eu des propos critiques à son égard. Pascal Pro, il se croit tout permis François Hollande. Après ce premier coup de gueule, Pascal Pro a explicitement demandé à François Hollande de venir s'expliquer sur son plateau. Mais selon le journaliste il ne voudra pas. Il a tout de même continué à exprimer le fond de sa pensée, vous vous rendez compte de la responsabilité qu'il met sur nous? Il peut même mettre en danger physique nos journalistes qui sont sur le terrain en tenant de tels propos. Un ancien président de la République ne peut pas se permettre de dire cela. Tout le monde devrait monter au créneau après ce qu'il a dit. Il se croit tout permis François Hollande, il a raté son quinquennat et maintenant il se croit tout permis. Et il ose donner des leçons? Ce procès n'est pas convenable, et je trouve ça même dangereux. Les choses dites, Jean Messia a également pris la parole pour défendre la chaîne d'information en continu, surtout qu'il donne des informations qui sont fausses, moi j'ai l'habitude de venir sur ce plateau et je vois des personnes aux voix dissonantes. Ce que nous ne pouvons pas dire de chaque média. Je prends l'exemple de C'est dans l'air et il n'y a pas de voix discordante. La même chose sur France Culture etc, et ça ne gêne personne. Loading DJ.